to see the rays of the rising sun through the windows of my house. Not far from home, there are road-bound rivers. Approchez-vous. Voilà, c'est chouette. Regardez ça. Alors, on fait boule. Bien, 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 bien. Allez, au cœur de la Bourgogne, c'est un grand jour pour Jocelyne Guérin, madame le maire de Luzy. Elle organise une grande fête pour accueillir les habitants qui se sont installés cette année dans le village. On a pendant 10-15 ans perdu 10-20 habitants tous les ans. On était tombé en dessous des 2000 et là, on repasse, on est à 2200. On gagne environ, là depuis 2-3 ans où je mesure bien, où je fais mes stats, en gros, 50 habitants de plus par an. Luzy est une exception dans un contexte difficile. C'est voilà, juste pour montrer la diversité des gens qui viennent s'installer à Luzy. En misant sur les associations et l'aide à la création d'entreprises, le village a attiré 83 nouveaux concitoyens en 2017, principalement des trentenaires. Ici, il y a de l'avenir, même en termes d'emploi, d'activité, parce que l'agriculture, le foncier, on en a. Et que c'est nettement plus accessible que partout ailleurs. On pense toujours qu'à la campagne, c'est les personnes âgées. Eh bien non, dans ces nouveaux acteurs du village, il y a 25% de retraités ou futurs retraités. Et les autres, c'est des actifs. Donc moi, je pense que là, on est en train de prouver que l'avenir, il est dans les campagnes. Laurent Taillebois est l'un de ces nouveaux habitants. Il a grandi à Luzy et il y revient après 20 ans de vie citadine dans le sud de la France. Ici, c'est là où je jouais quand j'étais enfant. C'était notre terrain de jeu, quoi, la nature. C'est vraiment une carte postale de mon enfance. J'ai envie de valoriser, de faire connaître des plantes qui poussent naturellement dans le Morvan. Et on a tout presque sous la main finalement pour pouvoir soit se soigner, soit se nourrir et en tout cas vivre bien dans le Morvan. Laurent s'est installé dans une ancienne fermette et ce matin, avec son père, il construit une serre pour ses futures plantations. Faut les mecs dans... Faut bien les serrer parce que tu vois, c'est pour ça. Ils sont pas serrés, mais j'arrive pas. T'es optimiste? Oui. Surtout qu'il m'a dit, il y en a pour une demi-matinée, tout est calculé, il n'y a pas... Il m'a eu, il m'a eu. Il a déjà fait des tests sur plusieurs espèces d'herbes sauvages du Morvan, comme l'achillée, une plante vivace très ancienne. L'achillée, alors l'achillée par exemple, c'est ça. Vous voyez, elle est très commune ici. Beaucoup de gens connaissent le plantain en cas de piqûre d'insectes ou d'irritation. On devrait tout autant connaître l'achillée millefeuille. Cette herbe, on l'appelle l'herbe aux soldats parce que les poilus de la guerre 14-18 en avaient tous dans leur besace, des poignées séchées. Ça permet d'avoir un pansement qui arrête le flux sanguin. J'ai fait pousser de la roche aussi. Ça s'appelle de la roche rouge. C'est une plante comestible assez intéressante parce qu'on la mange comme des épinards. Alors moi j'ai envie de la commercialiser parce qu'elle est vraiment délicieuse. On n'en trouve pas aujourd'hui parce qu'elle ne supporte pas le transport. Je suis prêt à planter énormément d'arroches pour que dans un an, je puisse vivre de ma production. En revenant à Luzy, Laurent a retrouvé les ruelles de son enfance. Là, on arrive dans la rue du commerce. Cette rue, la bien nommée, était une rue des plus commerçantes, mais les 15 dernières années, le commerce a été un peu sinistré. Par exemple, ici, il y avait un marchand de parapluies, de sacs, monsieur Dessau, qui est parti en retraite, ça n'a pas été renouvelé. Là, c'était un marchand de chaussures, il n'y a pas encore si longtemps, et malheureusement, il a fermé ses portes. Là, il y a bien sûr Josette et Michel, le bar des sports qui est toujours là, ému. J'ai bon espoir finalement avec le retour de tous ces gens, hollandais, français, enfin finalement des gens qui viennent s'installer là. Et je trouve que ça donne de l'espoir et de l'optimisme. Et j'aimerais voir cette rue du commerce être la rue du commerce de Luzy. Le symbole de ce renouveau, c'est cette ancienne crêperie. Des agriculteurs y vendent leur production en direct. Des fruits et légumes, du miel. Ah, le miel. Voilà, ah, oui. Le miel du Morvan. Comme Emma Rigolet, une jeune maraîchère. Dans le Morvan, on met aussi de l'huile et de la moutarde. Par un producteur de céréales. Ça faisait longtemps que je voyais cette boutique fermée. Donc c'est vrai qu'on a commencé à chercher un local sur Luzy ou installer notre boutique. On savait pas, voilà, on en avait plusieurs en vue, mais celui-là il nous plaisait parce qu'il a du cachet, il a une belle devanture et du coup c'était redonner une vie à ce magasin qui était fermé depuis longtemps. Donc c'était vraiment chouette. Ça, je le connais. Le radis noir. Ouais, c'est le grand de la vie. Voilà. Donc là on a d'autres légumes là de ce côté si vous voulez regarder. Mais bon, c'est des légumes classiques aussi, les salades, carottes. Alors au début, on a surtout senti les touristes et là, on sent vraiment les gens qui viennent ici pour vivre. Ben, moi, je suis dans ce cas-là aussi. Donc ça fait 10 ans qu'on est arrivé dans la région, on n'était pas de la région du tout. Et c'est vrai qu'on est arrivé ici pour des vacances et on y est resté. Et donc oui, c'est vraiment... et on sent qu'on est plein dans ce cas-là, quoi. La jeune femme s'est installée à quelques kilomètres du village. Elle a choisi de se lancer dans la production de légumes bio. On s'est tout de suite senti bien à Luzy parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Tous les week-ends, il y a une fête ou un festival ou un concert. Donc ça nous a beaucoup plu. Et puis après, il y avait aussi ce qu'on a aimé, c'est le soutien qu'on a pu avoir dans notre projet. Dans notre façon de, quand on a voulu s'installer, quand on a cherché du travail. Tout le monde nous a tout de suite épaulés et soutenus. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de petits producteurs qui viennent s'installer dans le Morvan et qui en vivent complètement. Ça forme une dynamique qui marche vraiment. Dans nos territoires qui sont un petit peu isolés, si on veut s'en sortir et si on veut faire des choses qui marchent et toucher un maximum de gens, il faut s'associer. Et si on ne s'était pas mis tous ensemble pour créer ce magasin, il ne verrait pas le jour. Emma vend tous ses légumes déjà cuisinés en bocaux. Aujourd'hui, elle prépare l'une de ses spécialités, une fondue de poireaux au cidre. Donc là, j'assaisonne mes poireaux avec juste du sel et du poivre. On essaye de dénaturer... le moins possible le légume, donc de rajouter le moins d'épices possible, le moins de choses pour qu'il y ait vraiment le goût du légume et aussi pour que les gens puissent le réapproprier, apporter leur touche personnelle au produit en fait. Je travaille avec un producteur de cidre de Millay, qui est à côté d'ici, qui fait partie aussi d'un groupement de producteurs avec moi sur plusieurs associations. Donc voilà, la recette est terminée, il n'y a plus qu'à mettre en pot et stériliser. La maraîchère espère doubler sa production dès l'année prochaine. Des productions comme nous, il y en a de plus en plus à Luzy, des gens qui produisent des choses, qui transforment et qui vendent des produits transformés. Et c'est ça qui fait vivre aussi le village. Au cœur de Luzy, l'association Céniquanon a sauvé une institution du village. Le cinéma Vox. Nicolas Barral en est le directeur. Il s'est battu pour conserver 2 séances hebdomadaires dans cette salle des années 50. C'est l'âme du cinéma qu'on retrouve dans ces vieilles salles. Elles ont une odeur, elles ont une âme, elles ont... Il y a les tapisseries qui vibrent encore. toutes les émotions que les spectateurs ont ressenties. Voilà, c'est il y a une ambiance quoi qu'on retrouve nulle part ailleurs. Il est 19 h, Nicolas vérifie le matériel pour la séance de ce soir. La plupart des petites salles de campagne, c'est associatif. On n'a pas les mêmes moyens qu'un multiplex, on n'a pas... C'est une économie très fragile. Par contre, humainement, ce qu'on fait dans le village et ce qu'on fait, les rencontres qu'on crée, le lien social qu'on recrée, c'est une aventure humaine, quoi. Merci. Laurent Taillebois est déjà un habitué de la petite salle. C'est important de maintenir une vie culturelle dans un village et c'est une chance d'avoir un cinéma. Je viens d'un village, enfin d'une ville de 10 000 habitants qui n'avait pas son cinéma. Donc c'est le cinéma de votre enfance ici. Ah oui, c'est le cinéma Luzy, cinéma de notre enfance en effet. Le café de mes parents était juste à côté. Pour m'occuper le vendredi soir ou le samedi soir, je l'ai passé ici. Je suis permise de lui parler de vous, de votre projet. Projet ? Ouais, ouais, c'est un homme charmant. Le lendemain, comme chaque semaine, Nicolas Barral est sur la route. Pour l'association Céniquanon, il gère également un cinéma itinérant. Avec Luc, son projectionniste, ils sont attendus à une 30aine de kilomètres de Luzy, à Ouroux-en-Morvan. On se sent vraiment important quand on va dans ces petits villages-là, quand on sent qu'on amène vraiment quelque chose chez eux. C'est-à-dire quand on se déplace dans un petit village de 100 habitants, ben voilà, on vient jusqu'à eux pour leur apporter du spectacle, de la culture, du cinéma. En chemin, Nicolas dépose ses dépliants publicitaires. Bonjour. Bonjour. Je vous amène des programmes de cinéma. Merci, très bien. Voilà. Pour le mois. Super. Je trouve qu'il y a des programmes sensationnels. Ça m'a vraiment redonné goût à rester dans le Morvan parce que je trouvais qu'il y avait une absence de culture évidente. Et là, vraiment, moi, je vous l'ai déjà dit, mais vous m'avez sauvé la vie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. To see the rays of the rising sun through the windows of my house. Not far from home there are road paths and rivers where I can find myself. Pour beaucoup de villages, c'est la seule activité culturelle du mois, voire de l'année, quoi. Hein, donc c'est le rendez-vous pour les habitants. Un petit village de 100-150 habitants, c'est le rendez-vous mensuel, c'est le moment où on se retrouve, c'est le moment où on sort ensemble. C'est un vrai engagement de faire ça, de faire ce métier. Voilà. On a la conscience qu'on amène quelque chose d'essentiel au cœur des villages, quoi. Voilà. Et on est fiers de le faire, en fait. Et puis si ça peut permettre aux gens de ne pas quitter le village. Aussi. Et de pouvoir dire aux autres, ben, moi j'ai le cinéma chez moi, donc pourquoi j'irai ailleurs? Ça peut même en motiver certains... de s'installer, quoi, de voir qu'il y a un cinéma, même itinérant, même une fois par mois, ben, c'est déjà ça et c'est super, quoi. C'est dans cette ancienne gare de triage que les deux hommes vont installer leur cinéma. C'est une salle des fêtes. C'est la salle des mariages, des cérémonies, des vœux du maire... La commune a investi dans des vrais sièges de cinéma qu'on peut facilement enlever et remettre, qui sont stockés derrière. Et puis, il y a aussi un écran, un super écran. Dans une heure, le public sera là pour l'unique séance du mois au village. Voilà. Tu dézoomes un peu, peut-être. C'est la focale qui zoome. Ouais. On tire toujours un peu vers les bleus, quoi. On tire encore un peu vers les bleus, ouais. Pas... Ça va être quoi, ce soir? Jules et Jim, François Truffaut. Une séance classique. C'est une programmation qu'on propose tous les mois. Les gens sont ravis de voir, de revoir ces films-là. La dernière fois, c'était L'Emmerdeur. Le prochain, ça va être Out of Africa. Mais c'est Jules. Qui c'est, Jules? C'est moi. Et vous? Jim. Jim et Jules, alors? Mais non, Jules et Jim. Parfois, on fait des séances pour 3-4 personnes. Parfois, on fait des séances pour 50 personnes. Un peu, c'est toujours la surprise. Parfois, on se lance des pronostics. Alors, ce soir, c'est combien? 10, 15, 20, 25. En fin de compte, c'est pas forcément représentatif. Quand on fait 20 personnes dans un village de 600 habitants, c'est énorme. Bizarrement, dans les villages où il y a le moins de monde, le moins d'habitants, que souvent, on a le plus de spectateurs. Ce soir, pour Nicolas Barral et son projectionniste, l'objectif est atteint. 22 spectateurs se sont déplacés pour voir ou revoir Jules et Jim. Le lendemain matin, Madame le maire de Luzy réserve une surprise à une dizaine de nouveaux habitants. Jocelyne Guérin leur a donné rendez-vous à La Roche-Millay, à 5 km au nord de leur nouveau village. Ils vont gravir l'un des plus beaux sommets du Morvan, le mont Touleur. En montant à travers bois, le groupe se dirige vers un panorama exceptionnel sur le massif. Pour le guider, Jocelyne a fait appel à un personnage atypique, Rob Ury, un Australien amoureux de la Bourgogne. J'ai pas mal bourlingué. Je suis arrivé en Europe dans les années 70 et j'ai découvert le Morvan. Je me suis installé ici parce que j'ai toujours été attiré par des régions granitiques pour les formes des paysages, pour le fait qu'il y a de l'eau, de la nature partout. Et j'ai toujours été une grande randonneur. Regardez, on commence à voir les formes du paysage maintenant. Et tout ce que vous voyez, c'est grâce au granit. Le Morvan, c'est un massif de granit. Et quand le granit s'érode, ça fait ces grandes croupes arrondies que vous voyez. C'est un paysage tout en douceur. Mais le granit est imperméable. L'eau ne peut pas pénétrer profondément dans le sol. Et donc, toute cette eau qui tombe du ciel ruisselle, ressort et donne des millions de sources. Et comme il y avait des millions de sources, l'homme a pu s'installer n'importe où. Sur ce territoire, l'habitat est dispersé. Les fermes forment des petits hameaux. C'est ça qui donne le charme du Morvan, le bocage qui est conservé, ce maillage de haies, c'est grâce au granit aussi. Un peu plus haut, Rob veut faire découvrir au groupe l'un des fleurons du patrimoine naturel du Morvan, le houx, un arbuste qui peut vivre plus de 300 ans. Le houx, c'est une plante intéressante. Il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Il y a Monsieur Houx et Madame Houx. Alors, sur les pieds de houx mâle, il n'y a que des fleurs mâles qui donnent le pollen, qui s'envolent et qui tombent sur une fleur femelle, sur un pied femelle. La fleur est fertilisée et c'est ça qui donne les fruits, les boules rouges. Donc, il y a des houx qui vont donner des boules rouges tous les ans. Et d'autres, jamais. Puis les randonneurs traversent Uchon, un village perché que les habitants de la région ont baptisé la perle du Morvan. Il n'y a presque plus personne qui habite à Uchon même, mais dans le temps, il y avait 3 cafés. Ah oui. 3 cafés dans le village, et il n'y a que 10 maisons. Pour le pique-nique, Rob et Jocelyne Guérin ont choisi un site naturel remarquable. Juste au-dessus du village, à 680 mètres d'altitude, le belvédère des rochers du Carnaval. Et merci à Rob pour ce moment. Même nous qui connaissons le Morvan, les paysages, on a encore appris des choses. Donc, on s'en lasse pas. Vous avez envie de rester? Ah ben ça, de toute façon, moi je dis, c'est tellement bien, on va plus repartir. Déménager, on a rayé ça de notre dictionnaire. Hein. Alors, c'est fantastique. Avec vous, c'était encore plus beau parce que vous avez cette conviction et on se dit quand même, ce Morvan, il a tous les atouts. Quittons le Morvan en direction de l'ouest de la Bourgogne, vers le Nivernais. Les habitants de Meauce et Cinquaise, deux petits hameaux regroupés pour former une seule commune, vivent à 500 mètres d'un monument qu'ils croyaient perdu. C'est sur les bords de l'Allier que se dresse cet édifice. Le plus ancien château fort de la région, le château de Meauce. Son mur d'enceinte arrondi est unique en Bourgogne. Le monument originel, bâti au Xe siècle à l'emplacement d'une motte castrale, a été détruit pendant la guerre de Cent Ans, puis reconstruit et agrandi jusqu'au 18e. Abandonné pendant presque 100 ans, l'édifice et ses dépendances viennent d'être rachetés par un couple de passionnés de bâtisses historiques avec le soutien des gens du village. Tous les week-ends, ils quittent la région parisienne pour vivre dans l'unique partie habitable du monument, l'ancienne maison des gardiens. Cédric est cadre bancaire. Avec sa femme Séverine, originaire de Bourgogne, ils ont entraîné leurs trois filles dans l'aventure. Une belle journée, là, je suis sorti, il fait super chaud dehors. On voit même le soleil, hein? Ouais. Ça a démarré il y a quelques années maintenant. Il y a 7-8 ans, j'avais déjà l'envie d'avoir une vieille ferme fortifiée, quelque chose qui... Des vieilles pierres. Des vieilles pierres qui remontent très loin, donc à une époque presque médiévale. On a visité beaucoup de choses. Et puis un jour, on est tombé sur Meauce. Et ce jour-là, ben, Séverine, c'est toi la première qui a craqué, en fait. Moi, j'ai adoré. En arrivant... Suite, ouais. Alors, enfin, vous le ressentez quand vous arrivez dans cette propriété. Il y a quelque chose de paisible. Et puis après, bien sûr, l'architecture un peu ronde du château, toute cette spécificité, ça nous a plu tout de suite. Alors, ça moi, j'ai eu très peur quand même. Hein. J'ai dit oui, c'est très beau, mais hors de question qu'on y aille. C'est trop fou, c'est tellement immense comme travaux que non, on n'y arrivera pas. Donc moi, ma réaction, c'est j'adore, mais c'est pas possible. C'était pas évident d'être sûr que techniquement, il était restaurable, tellement il est en péril et tellement il était en partie ruiné. Les architectes nous ont donné tout de suite le go, comme quoi c'était possible de le restaurer techniquement. Donc ça, c'était super. C'est une folie raisonnée. C'est tout à fait nous. Voilà, c'est raisonné et fou à la fois. Ouais. Ah bah, moi, j'étais un peu mitigée parce que du coup, que c'est un gros projet, que ça va durer longtemps. On ne sait pas si on va pouvoir réussir à tenir jusqu'au bout sans avoir un château où on peut y habiter directement. Tout le monde dit qu'ils sont fous, mais moi je pense pas en fait. Parce que je partage aussi la même folie. Du coup, moi ma chambre, j'imagine comme une chambre de princesse, un grand lit, avec une vue sur l'Allier. Donc je me réveille le matin, j'ouvre la fenêtre. Puis, non, comme une princesse vraiment. Voilà ce qu'on a découvert pendant nos vacances de Pâques là. C'est quand même assez impressionnant. Aujourd'hui, première réunion de chantier. Cédric entraîne l'architecte en chef des monuments historiques dans la cour intérieure. Il veut lui montrer une porte aux moulures en pierre pratiquement intacte qu'il a mise au jour en grattant les enduits. Quand on l'a mis sur Facebook, on a des gens qui sont arrivés dans l'heure qui a suivi pour vérifier qu'elle était bien là, pour la voir, pour la toucher. Donc on a beaucoup de gens qui, comme nous, ont été assez émus de cette découverte et on a envie de continuer à la voir. On ne veut surtout pas la recacher, la redissimuler. Cette porte de la fin du XVe siècle n'a jamais connu sa voisine, qui a été ouverte un siècle plus tard, sûrement au début du XVIIe siècle. On est sur un lieu, dans un site et sur un édifice qui a connu de multiples étapes de construction. Donc on a commencé au Xe siècle et avec un dernier projet au XVIIIe siècle. Chaque siècle, on a modifié ce château, on a ajouté des choses et on en a supprimé ou masqué, comme cette porte. Même si le monument a encore fière allure, il y a quelques semaines, il était encore en état de péril, avec sa toiture en partie effondrée. À l'intérieur, les poutres maîtresses ont dû être retirées car elles menaçaient l'équilibre de l'édifice. Les propriétaires vont devoir changer une centaine de portes et fenêtres et reconstruire 500 mètres carrés de plancher. Sous la partie la mieux conservée de la toiture, Cédric a fait appel à un archéologue du bâti pour dater la charpente et mieux connaître l'histoire de son château. C'est très excitant parce que, bon, moi je suis curieux de nature, on est curieux dans la famille, donc on a envie de connaître tous les secrets de ce château. Et ça fait 100 ans qu'il n'a pas été étudié, donc ça fait partie des rares châteaux médiévaux en France sur lesquels il n'y a pas eu d'études vraiment de son histoire médiévale, de son histoire plus récente. Et là, avec les études qui sont faites par les archéologues du bâti, on va pouvoir découvrir plein de choses. Donc vraiment beaucoup d'impatience d'avoir le rapport, de découvrir des choses, et puis ensuite de pouvoir le raconter à tous ceux qui vont venir ici. Le lendemain est un grand jour. À l'occasion des Journées du patrimoine, le monument va accueillir pour la première fois des visiteurs. Le maire du village a tenu à apporter son soutien logistique. Depuis 60 ans qu'on entendait parler du château de Meauce, et puis rien ne fait pendant je ne sais combien d'années. Depuis que je suis maire, il y a eu quelques lueurs d'espoir, comme j'avais déjà dit. Parce que tout le monde attendait, hein? Tout le monde est content que ça repart, quoi. Ouais. Désespéré de le voir tomber en ruine. Et puis maintenant, bon, une lueur d'espoir. Enfin, on est ravis, donc on voulait vous remercier pour tout ça, vraiment. Ouais. Beau soutien de la commune d'accueil. On va les mettre... À qui j'ai failli enlever la tête? Au sein de l'association de sauvegarde du château, les habitants ont déjà aidé au déblaiement de l'édifice et de ses jardins. Aujourd'hui, ils vont être au cœur de l'événement. Véronique est née à Meauce. Elle a entrepris il y a quelques années des études d'histoire et fait de l'édifice son sujet de thèse. C'est un petit peu mon château, mais sans vraiment un sens de la propriété. C'est-à-dire que c'est mon château... Dans le sens où l'important, c'est de faire en sorte qu'il soit encore là pour ceux qui viendront après. Voilà, c'est le sens aussi de la continuité. Moi, j'ai passé tous les étés de mon enfance à côté du château. On le voyait de loin, mais c'était une ruine et c'était fermé, on ne pouvait pas y aller. Donc ça avait quand même un côté un peu magique. Et pouvoir aujourd'hui le voir revivre, je trouve que c'est important. Hervé, lui... s'est porté volontaire pour mettre en place le parking. Il est l'un des premiers à avoir adhéré à l'association. J'ai une histoire personnelle dans ce château. J'ai mon père qui a travaillé en 1970, quand il travaillait dans le bâtiment. Je l'ai appris par ma mère, hein, il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit « mais le château de Meauce, ton père, quand il travaillait pour les bâtiments, et avait demandé à ce que des tôles soient mises pour protéger le bâtiment. » Pour nous... on ne peut pas laisser quelque chose comme ça mourir, un si vieux château le laisser mourir. Alors donc on a dit, bon, on a un peu de temps, on est en vacances, alors on vient donner un coup de main. C'est très important de faire revivre le patrimoine. Nous, on avait acheté le château parce qu'on le trouvait beau, parce qu'il nous évoquait quelque chose. Et ce qu'on a appris, en fait, c'est qu'il évoquait quelque chose aussi pour beaucoup de personnes. Alors, les gens autour qui passaient devant et qui le voyaient, en fait, en état d'abandon depuis très longtemps. Et puis tous les gens qui l'ont vu sur Facebook. Et cet engouement, en fait, il s'est développé à une vitesse très, très, très rapide. Et ça nous a vraiment époustouflés. Les gens donnent du temps, non pas pour nous en particulier, hein, mais pour leur patrimoine. Comme vous pouvez le voir, on est sur un chantier de restauration. C'est-à-dire que pendant ce temps, deux jeunes du village font une dernière répétition. Dans quelques heures, ce sont eux qui vont guider les visiteurs. Attention, vous allez mettre les pieds. Donc le château présente des murs qui font parfois 3 mètres. Et on peut voir de nombreux remaniements. 3 mètres d'épaisseur, ouais, vaut mieux que je le précise sinon. Ouais. Personnellement, j'ai grandi dans le coin. Je connaissais le château qui était en ruine et tout. Et le voir renaître, je me suis dit j'ai envie de faire partie de l'aventure. Du coup, je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait une page Facebook qui venait d'être créée. Donc j'ai pris contact avec les propriétaires. Et après, de fil en aiguille, on a réussi à faire attirer du monde. Monique habite à 300 mètres du monument. Monique. Bonjour Cédric. Ça y est, t'as retrouvé ta place, oui, installée. Ouais, bon. Je vais travailler un peu, quoi. Fonctionnaire à la retraite, elle s'est autoproclamée gardienne du château. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est elle qui va accueillir les passionnés de patrimoine. J'ai l'impression parfois d'être un peu l'âme du château. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été attachée à ces pierres. Le château, je le connais depuis ma plus tendre enfance, étant donné que ma camarade de communion habitait la petite maison. Donc j'ai joué une partie de ma jeunesse dans la cour. Je passais un petit peu comme les flibustiers, donc je passais par la fenêtre, là, qui n'était pas bouchée. Et j'ouvrais les grandes portes, les gens entraient, je refermais les portes. C'était bien, personne ne voyait qu'il y avait quelqu'un dans le château. Quand on m'a dit que Monsieur Mignon et Madame Mignon avaient acheté le château, j'ai dit « Ah, ça va être bien ». En plus, ils sont jeunes, donc j'ai dit « Ça va bouger ». Parce que quand on est dans un tout petit village comme ça, que les gens, la population est vieillissante, moi y compris, il faut quand même que ça bouge. Avant l'ouverture des portes... Alors, je démonte ou je ne démonte pas? Non, c'est bon, là, il faut y aller maintenant. Vas-y, on pose. On pose. Alors, ok. La famille pose symboliquement la plaque officielle de l'inscription du site sur la liste des monuments historiques. Cette petite plaque, hein, c'est pas grand-chose et en même temps, c'est tout. Voilà, ça montre bien que c'est un monument historique, qu'il a des qualités architecturales et puis qu'il a une longue histoire. Sur le panneau, c'est écrit du 14e au 18e siècle, mais en réalité, son histoire remonte bien antérieurement puisque les recherches archéologiques montrent qu'il y avait déjà une motte castrale au 10e siècle. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à travers ce panneau. Ouais. Le château est bien marqué, ça y est, il y est. Monument historique. Bonjour. Il est 10h. Les premiers visiteurs arrivent. Bonjour. Et voilà. Bonjour, bienvenue. Très vite, malgré la pluie, la file d'attente s'allonge. Et donc, en fait, ça nous impressionne de voir tout ce monde. Je me suis dit, on va en avoir, bon, allez, 100. Non. Vous avez pas communiqué. Donc alors le groupe de 6 pour la visite, on peut commencer. Isor, l'une des filles de la famille, est la première à faire découvrir le rez-de-chaussée de l'édifice. Vous voici ici dans la cuisine. Donc, la cuisine du XVIe siècle est la pièce la mieux conservée du château. On va continuer la visite par ici. Faites bien attention à vos pieds et à la tête. Dans le garde-manger, les ouvriers ont découvert un dolium, une jarre dans laquelle étaient stockées les céréales au 14e. Bonjour. Bon, c'est pas trop long la queue. Ça fait combien de temps? Pendant ce temps, Cédric fait patienter les visiteurs de plus en plus nombreux. Combien d'attente à votre avis? 2 jours là. Mais on sert le café le soir à partir de minuit. Donc, non, là, je pense que vous en avez maintenant pour, j'allais dire une demi-heure quand même, peut-être. Là, il y a un bon petit stress, comme il faut bien. Voilà, une bonne journée, bien stressée, mais pas trop. Quand on se repositionne 5 siècles en arrière, il y avait probablement une centaine de personnes ici qui vivaient, qui chantaient, qui dansaient, qui travaillaient, qui étaient stressées aussi, certainement. Eh bien, c'est un peu ça qu'on recréait ici. Ça fait 150 ans que le château n'a pas vécu. Hein, il y a eu 2-3 manifestations en 150 ans. Eh bien, aujourd'hui, c'est peut-être la 4e ou la 5e sur presque 2 siècles. Donc voilà, donc il revit. Ça, c'est tout aussi important que le restaurer. Hervé, Véronique, juste 2 minutes pour faire une petite photo de tous ceux qui travaillent ici cet après-midi. Il est 18h, la journée du patrimoine se termine. Ouah ! Ouah ! C'est un succès. 500 personnes, 2 fois plus que prévu, ont découvert le château de Meauce, dont la renaissance ne fait que commencer. Cette aventure devrait durer au moins 10 ans. En quittant le Nivernais, en direction du sud, le paysage change. Apparaissent les bocages du Brionnais. Cette petite région rurale, aux confins de la Bourgogne, entre le Charolais et le Bourbonnais, est une terre de hameaux isolés. Ici, pas d'autoroute, pas de train à grande vitesse. Il y a une quinzaine d'années, une jeune femme s'est installée sur les bords de la Loire, à Millay. Elle a mis en pratique une idée originale pour dynamiser les villages de ce territoire. Céline Crolla propose des randonnées à dos d'âne sur les chemins du Brionnais. Ce qui est sympa, c'est la relation qu'on a avec eux, quoi. Ils se disent, bah voilà, quoi, elle est là, ils viennent me dire bonjour, hein. Alors j'en profite pour les compter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est bon, j'ai mon taf. Salut, ça c'est Émile. Émile, il vient toujours dire bonjour. Il veut pas qu'on s'occupe des autres. Chut, douce. Tiens, Olive, on va remettre ça comme il faut. Ça, c'est pour les mouches. Ça fait comme les rideaux qu'on met aux portes. Ça empêche les mouches de venir devant les yeux. Mais des fois, ça glisse. Alors, il faut leur remettre. Voilà. Allez, allez, allez. Les ânes, ils aiment le contact à la base. Ils aiment les gens, ils aiment être avec les gens, ils aiment être caressés. Après, il y a des ânes qui vont aller mieux pour ce qu'on leur demande de faire, parce que c'est vraiment des professionnels, nos ânes. Ils sont ânes de randonnée, c'est leur boulot. Après, je ne suis pas chef d'entreprise avec des employés ânes, ça, c'est pas ça, mais c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. C'est ma team, quoi. Allez, allez, allez. La jeune femme a changé de vie pour se lancer. Avant, j'étais technico-commerciale, donc j'étais tout le temps sur la route et je vendais des produits chimiques. Donc, ouais, bof, c'était pas ça, quoi. Et j'ai toujours aimé les animaux depuis toute petite et je crois qu'en fait, j'ai un peu réalisé mon rêve d'enfant qui était d'avoir ma petite ferme avec mes petits lapins, mes petites poules et mes petits ânes, voilà. Et bon, inconsciemment, je suis revenue à ça, quoi. Et je regarde pas. Ce matin, Céline accueille une famille venue de Reims qui va partir à la découverte de la région. Pour les accompagner, elle a choisi une de ses ânesses les plus calmes, Odyssée. Les Vinot ont opté pour une escapade de 3 jours. Vous avez un petit peu l'habitude des chevaux ou pas du tout? Un petit peu, oui. Un petit peu. Bon, bah, vous savez mettre un licol, quoi. Oui. Donc on prend les 2 morceaux qui sont détachés et puis on va attacher sur le côté. Alors on sort, mais quand même pas trop. Hein. Faut pas que ça soit trop serré non plus. Alors, tous les soirs, vous lui enlevez le licol, d'accord? Parce que ça la bien la protège. Les instructions de Céline sont précises, car ils vont voyager seuls pendant toute la randonnée. Ça vous impressionne d'être responsable d'un âne ou ça va aller? Oh, ça va aller. Ça va. Ça va aller? Oui. Non mais j'ai mon mari. Hein. Ça va aller chez mon mari. Allez, hop là, c'est bien ma puce. Allez, alors tu te rappelles, qu'est-ce qu'on a dit? Pour cette formule tout compris, elle a élaboré un circuit sur mesure, de village en village, avec hébergement à la ferme, pension complète et visite culturelle. Donc chaque jour, vous avez la carte de votre circuit. Alors, vous avez les petits points, 1, 2, 3. Quand on est en 3, on tourne. 3, 4, arrivée. Avec les raccourcis possibles. Donc, chaque jour, pour chaque randonnée, ça sera la même chose. Vous, ça vous impressionne pas? Vous dites pas que vous allez vous perdre? Non, je pense pas. Non. Pourquoi? Sinon, on appellera. Voilà. D'ailleurs, bonne transition, Céline a mis en place tout un réseau d'habitants et d'agriculteurs pour accueillir ou aider les voyageurs. Donc les gens avec qui je travaille, on travaille ensemble depuis des années, ils savent très bien par où vous arrivez. Et s'il y a un souci, si vous êtes plus près de chez eux que de chez moi, eh ben vous appelez et en général, ils savent vous retrouver aussi. Allez, vas-y. Tiens-la bien, tu la regardes pas. Elle va te suivre de toute façon, surtout ne la regarde pas. Elle fait son boulot, elle te suit. Alors, c'est normal, dans les descentes, elle va doucement parce qu'elle fait attention de ne pas glisser. Alors, vas-y, descends, elle va... Vas-y, voilà, descends. De toute façon, elle va attendre que tu sois plus devant elle pour descendre. Voilà, c'est très bien, Odyssée. Tout le monde est... On est tout bon, là? Allez, en route. C'est parti. Dans quelques minutes, la jeune femme laissera les Vinot seuls sur les chemins. Je les suis au début, c'est surtout pour rassurer les gens parce que c'est vrai qu'ils ne connaissent pas, hein, ils n'ont jamais fait. Et donc en général, c'est juste pour donner des petites techniques qui fassent que ça se passe bien, quoi. Et puis c'est normal, hein, les 500 premiers mètres, chacun va chercher un petit peu son rythme, comment, de quelle manière se positionner. Voilà, donc moi je donne les petits conseils, quoi. Et donc quand je sens que tout le monde est bien à l'aise et que chacun a pris ses bonnes positions, eh ben on peut laisser aller, quoi. Voilà. Donc d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vous dis au revoir. Je vous dis à dans 3 jours. Allez, bye, au revoir. Pour la famille, c'est le début de l'aventure. Afin d'élargir son réseau, Céline, elle, part régulièrement en repérage avec son âne préféré. La jeune femme est à la recherche de nouveaux circuits et de nouveaux hébergements à la ferme. Ça peut arriver qu'on ait des gens qui reviennent plusieurs années de suite. Donc c'est sympa de pouvoir leur proposer des choses différentes tous les ans, quoi. Éviter qu'ils passent toujours par les mêmes chemins. Donc voilà, ça fait partie du travail. C'est pas ce qu'il y a de plus désagréable, mais voilà. Moi, j'ai découvert la région il y a 16 ans, je ne connaissais pas du tout et j'étais vraiment subjuguée par le fait qu'il y ait autant de chemins de si bonne qualité. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui m'a donné envie de faire découvrir la région parce que c'est un petit jardin secret et qui vraiment vaut le détour, quoi. On a vraiment envie de le faire découvrir. Sur la route des crêtes, Céline tient à nous montrer le panorama qu'elle préfère. Il y a une spécificité, les villages du Brionnais, ils sont tout petits, quoi. Parce qu'en fait, c'est un pays où il y a beaucoup d'eau. Donc, on s'installe où on veut. On n'est pas obligé de se réunir autour de la source. Ce qui fait que les fermes se sont vraiment construites un petit peu partout. C'est vrai que c'est un paysage très paisible, très doux, avec toutes ces lignes qui sont formées par les haies. Et ça, c'est quelque chose de rare parce que souvent, on a arraché les haies pour agrandir les prairies, pour mettre du barbelé à la place. C'est un paysage qui nous ressemble parce que c'est un paysage qui a vraiment été sculpté. C'est vraiment une œuvre d'art quelque part, quoi. Elle se dirige maintenant vers un gîte à la ferme, tout au sud de la région. Aujourd'hui, je vais randonner sur un territoire que je ne connais pas du tout, là, pour le coup. Je vais dépasser ma frontière habituelle, puisque je vais tenter d'aller chez monsieur et madame Desmurs. Et donc, je vais tenter le coup. Pour moi, il y a encore des choses qui ne collent pas. Il y a beaucoup de routes à un moment. Donc, l'avantage de travailler avec les hébergements, c'est qu'eux, ils connaissent leur secteur et elle va pouvoir m'expliquer s'il y a des endroits plus sympas où passer. Après une demi-heure de route, Céline arrive au village de Varennes-Soudain, dans une ferme d'élevage de Charolaises. Bonjour. Comment allez-vous? Céline. Enchantée, Michel. Ouais. Michel Desmurs, la propriétaire, est enthousiaste à l'idée de faire partie du réseau de Céline. Premier critère pour valider le site. Ah, il y a un tout petit passage là, d'accord. Il faut vérifier la qualité du pré pour les ânes. Ouais. Allez, ah, ça, là, il aime pas trop quand c'est étroit, mais là, bien. Avec l'eau, dis donc, pas mal. Et regarde, comme tu vas être bien là. C'est important la qualité de l'hébergement pour les clients, mais pour mes ânes aussi. Et là, là, on a tout ce qu'il faut. On a de l'eau, on a des arbres pour l'ombre, on a de la belle herbe verte. Donc, non, puis de l'espace, quoi, c'est grand, hein, c'est grand. Hein. Hop, tout à l'heure. Michel a été l'une des premières en Bourgogne à aménager un bâtiment pour y créer un gîte dans les années 90. Donc là, c'est une ferme typique du Brionnais avec les murs en pierre, le plafond à la française et puis à l'intérieur. Donc c'est les petites pierres du coin qu'ils allaient chercher avec des bœufs. Donc ils se fournissaient au plus près. Cette ferme appartient à la même famille depuis le XVIe siècle. Du coup, quand on a réparé, on a eu des surprises parce qu'on a un genre de meurtrière ou de choses pour donner le foin. On ne sait pas ce que c'est. Quand on dit il y a 10 générations, c'est chouette, quoi. Enfin, voilà, c'est déjà une promesse, quoi, un peu. Hein. Les gens, ils attendent d'arriver dans un endroit qui a une histoire. C'est vrai que si on envoie dans une maison neuve, c'est beaucoup moins sympa, quoi. Je vais te montrer les chambres à l'étage. Ah ouais, c'est... Donc on a des vieilles briques. C'est grand sur toi. L'espace, avec ses 15 couchages, convient parfaitement à la clientèle de Céline. Ouais. Voilà. Donc là, ils ont super grand sur toi. C'est chouette, c'est très spacieux. À 40%, la réussite de la randonnée, elle va être basée sur la qualité de l'hébergement et de l'accueil, quoi. Et c'est pour ça que nous, on fait très attention à ça. Les gens reviennent pour l'âne, mais aussi pour les hébergements. Allez, on est parti, allez, on y va. Allez, en route, mon lit. La troisième étape du repérage est la plus importante. La visualisation du parcours que vont emprunter les randonneurs pour arriver à la ferme. Là, il y a des belles balades. Ah ouais, je connais pas du tout là. Saraco, je connais pas du tout. Ouais, donc du coup, on arrive chez vous direct par les chemins, quoi. Ça, c'est chouette. Par contre, oui. Ça, c'est top. Hein. Il y a un beau noyer là. Ouais. Et du coup, c'est pas mieux encore. Ah ouais. Alors là, tu vois, c'est le plus haut mont du Rhône, c'est le mont Saint-Rigaud, c'est à 1000 mètres. Ah, c'est excellent, parce que moi je connais pas du tout ce qu'on là, je savais pas ça, tu vois. Ça, c'est des paysages qui peuvent plaire aux randonneurs? Oh, carrément, hein, c'est super beau. C'est vrai que l'intérêt de venir jusqu'ici, au final, par rapport à ce que je propose actuellement, c'est qu'on change vraiment on change de territoire, quoi. Même moi, là, j'ai vraiment un paysage, j'ai pas l'habitude, quoi. Donc c'est intéressant, ouais, justement, de varier un petit peu, quoi. Puis Olivier, il a l'air d'aimer aussi. Il y a plein de trucs à manger, il est content. Ouais, c'est vraiment joli, le petit fond de vallon. Alors là, on change de forêt. Ouais. On arrive dans une forêt de douglas. Ouais. Ouais, c'est agréable. Et on sent bien le frais. Ouais. Il y a quelques rochers. Ouais. Et ça s'appelle les roches Fayette. C'est les roches des fées. D'accord. Alors là, on a un petit panorama qui est sympa. À la sortie de la forêt, le chemin s'ouvre sur un paysage remarquable. Donc au premier plan, on voit l'église Varennes-Soudun. Ouais. Et derrière, c'est la Clette. On aperçoit le château. Ouais, les toits qui brillent. Et puis là, tout au fond, c'est les monts du Rouennais, les monts de la Madeleine. Ouais, c'est chouette, hein, sympa. Là, c'est magnifique. C'est important qu'elle vienne voir sur place parce que nous, on peut lui indiquer dans notre pays ce qu'il y a de mieux, ou les belles vues, ou les petites choses à voir. Donc c'est bien. J'aimerais bien être sélectionnée dans ton parcours. Et puis c'est intéressant. C'est autre chose, une autre clientèle. Et c'est bien parce qu'on a une belle région. Donc il faut qu'on la partage. Moi, je fais passer 2-3 familles par jour en été. Mais si on développe d'autres réseaux, eh ben, c'est plus 2-3 familles. Mais si c'est 10 familles par jour, bah, c'est bingo. sont tellement isolés dans ces petits villages. Donc c'est pour ça que le tourisme il est important pour ces endroits qui n'arrivent pas à survivre parce qu'il n'y a pas assez de passages au final. Donc je pense que le tourisme peut être un vrai levier économique, mais il faut aller plus loin que ça. Pendant ce temps, à une vingtaine de kilomètres plus au nord, la famille Vinot termine sa première journée de randonnée. À Saint-Julien-de-Jonzy, ils sont attendus à la ferme du Coq à l'âne, l'un des premiers gîtes à avoir été sélectionné par Céline. Noah, enchanté, salut. Entrez, c'est par là. Cette ancienne chèvrerie va être reprise dans quelques mois par Noah Lagoutte. C'est la première fois que cette jeune Lyonnaise reçoit seule des clients. Elle se forme avant de racheter le lieu. C'est sécher les tapis au soleil. Ancienne musicienne, Noah va bientôt s'installer ici avec sa famille. Ce lieu, c'est une maison qui est magnifique, c'est un gîte qui est en état de marche et super beau, mais c'est surtout le lieu que je cherchais depuis des années. Voilà. Tout bon. Pendant ce moment de détente bien mérité, la fille du couple de randonneurs en profite pour soigner la messe. Elle n'avait pas envie que je l'aide. Donc je la laisse faire. Puis là, c'est vrai qu'on resterait là un petit moment quand même à rien faire, juste à regarder le paysage. Je pense que dans quelques minutes, là, ça va être encore plus beau. Avec la lumière rasante, ça va être superbe. Pour le dîner, Noah ne va servir que des produits de la région. Là, c'est des pommes de terre avec du saucisson fermier de la côte rwanaise. Elle se plie à une tradition de la maison, la salade aux fleurs comestibles du jardin. Ça, c'est de la bourrache. Et les soucis, par ici. C'est très joli. Pareil, c'est très, très délicat comme goût. Ça donne une jolie touche et puis c'est goûtu. Colore la salade verte. Avant de servir les clients, celle qui va bientôt passer la main à Noah fait un dernier contrôle. Hop. Voilà, bon alors la salade est prête, la salade de tomates est prête, les saucissons sont prêts, le fromage blanc c'est bon. Oui. C'est parti. Elle est comment là, votre élève? Ça va, ça va. Ça va? Elle assure, là? Oui, oui, elle assure bien, là. Ouais. La relève est prête, là. C'est bon. C'est un lieu qui va continuer à vivre. Et en fait, c'est ce qu'on voulait. Qui continue à vivre. Vous êtes prêts? Je peux vous servir le repas? Oui. Salade de fleurs. Oh, génial. Et les fleurs, faut les manger? Oui. C'est de la bourrache et des soucis. C'est le calendula. Ah oui, chouette. Et vous pouvez manger. Et là, c'est des œufs, des poules de lait. Allez, bon appétit. Moi, j'ai fait une tour. Il n'y a pas beaucoup de goût. Tu veux de la salade aussi? Demain, le circuit va faire découvrir au Vinot l'un des trésors de l'architecture bourguignonne. C'est parti. Bonne journée. Allez, à la prochaine. Bonne balade. À bientôt. 8 h du matin. La famille repart sur les chemins du Brionnais. Elle se dirige d'abord vers l'un des plus beaux villages de France, Semur en Brionnais, édifié sur une colline à 400 mètres d'altitude. Son château du Xe siècle, le plus ancien de Bourgogne, abritait les seigneurs de Semur, dont le plus célèbre, Hugues, fut le prieur de l'abbaye de Cluny. Le circuit fait passer les Vinot devant Saint-Hilaire, la dernière église romane construite dans le Brionnais au XIIe siècle. On a fait quand même déjà peut-être une vingtaine de kilomètres depuis qu'on est parti hier. Et pour le moment, on voit des gens, quoi, mais c'est quand même plutôt calme. Il n'y a pas dehors de touristes. On est tout seul. Le Brionnais, c'est un peu comme un secret qu'on découvre. La famille est attendue en contrebas du village pour une découverte exceptionnelle. La chapelle de Saint-Martin-la-Vallée, construite à l'emplacement d'origine de Semur-en-Brionnais. Laissée pendant des siècles à l'abandon, elle a été entièrement restaurée et rouverte en 2014. Son clocher latéral, une rareté dans l'art roman, a retrouvé sa splendeur. Tiens, on peut l'attacher là-bas, regarde. On l'attache là-bas ? Les Vinot ont rendez-vous avec un autre partenaire du circuit des ânes, un historien des religions né ici, qui a consacré toute sa vie aux églises du Brionnais. On va rentrer à l'intérieur, vous allez voir, il fait frais, vous allez être très bien. Ah, super. L'intérieur du monument révèle un chef-d'œuvre, des peintures murales découvertes en 1999. Réalisées au XIIe et XIIIe siècle et à la Renaissance, elles ont été remises en état grâce à un groupement de villageois. D'abord, il faut savoir que c'est la plus ancienne église des églises romanes du Brionnais. Les églises romanes dans le Brionnais, il y en a plein. Ça a poussé au XIe et XIIe siècle littéralement comme des champignons. Et malgré des pertes au fil des siècles, on en a encore plus de 30 dans un tout petit territoire. Mais retenez bien que celle-ci, c'est la plus ancienne. La plupart des gens, des Français, vous, moi, il y a quelque temps, on s'imaginait que les églises romanes, c'était des églises en pierre apparente, et la pierre apparente, c'est du pur roman. C'est faux et archi-faux. Elles étaient toutes couvertes de peinture. Quand on essaye de lire une église romane, il faut également tourner les pages comme dans un livre. Et quand on tourne les pages, c'est-à-dire quand on va décaper les différentes couches de peinture, on va aller de la plus récente, ici, dominante rouge et blanc, et ensuite on va trouver une couche qui vient derrière, et celle-là, elle est du 14e, fin 14e ou début 15e siècle. J'aime beaucoup les randonneurs avec âne parce que ce sont des gens qui pratiquent un tourisme doux et lent. On ne peut rien découvrir de l'art roman si on n'y va pas doucement, qu'on ne prenne pas le temps de s'imprégner des choses et d'écouter quelques petites histoires. Et moi, je trouve que ce type de randonnée, même si pour le moment ils ne sont pas très nombreux, ça apporte quelque chose de neuf et d'extraordinairement vivant. Avec son association, le Centre d'études du patrimoine, Pierre Durieux se bat pour ouvrir au public les églises qui font la singularité des villages du Brionnais. Comme Saint-Marcel, à Iguérande, qui domine la Loire depuis un promontoire. Grâce à son action, ce vestige d'un prieuré bénédictin, détruit pendant la Révolution, est désormais visitable tous les jours de l'année. Depuis presque 30 ans, ce passionné fait appel à des étudiants en architecture du monde entier pour effectuer des relevés précis des monuments. Cette année, à Lézé, ce sont de jeunes Hongrois qui vont étudier l'église du hameau. Saint-Antoine reste un mystère avec son clocher édifié directement sur l'abside et légèrement décalé. Cette église est très particulière. Vous savez, en Hongrie, nous n'avons que très peu de vestiges du Moyen Âge. Alors qu'ici, en Bourgogne, il y a des chapelles romanes dans presque tous les villages. C'est incroyable pour nous. Les futurs architectes vont mesurer à l'aide d'un laser tout l'intérieur du bâtiment. Ces relevés permettront d'obtenir pour la première fois la modélisation de l'église en 3 dimensions. Notre travail contribue à une meilleure connaissance du patrimoine et donc à la dynamique culturelle ou sociale d'un village. Parce qu'il y a toute une population qui fait que cette église est ouverte, elle est bien entretenue, elle est propre, cette église est restaurée. Et derrière, il y a une société rurale qui a envie de vivre et de profiter d'opportunités et de faire que cette richesse se transmette de génération en génération. Pour le clocher, l'exercice est plus délicat. L'espace est trop exigu pour mesurer au laser. Il va falloir travailler à l'ancienne. Go to that level. So pay attention when the bell will be ringing. But especially pay attention when it will be 12 o'clock, because normally you will have a terrible noise, so protect your ears. And then the climbing is... Arrivé à 18 mètres de hauteur dans le beffroi, come with me. Take place. Elles vont mesurer normalement toutes les pièces de la charpente, donc avec le décamètre à la main. Les 2 étudiantes se mettent à l'ouvrage. Cette aventure incroyable a commencé en 1990, donc ça fait 28 ans que nous mesurons des églises romanes. On a dépassé cette année le chiffre de 100. Ça représente 100 000 heures de travail. À 73 ans, Pierre Durieux n'hésite pas à grimper lui-même dans la charpente pour prendre les mesures. I will give you to, only to begin, to give you some dimensions of the basis of the framework, okay? 143. Another one here. From that point here to that point, 98. Dans ma jeunesse, j'ai fait un peu d'alpinisme, donc je crains pas trop le vertige, voilà. Et puis, il faut vraiment accéder dans ces parties hautes de l'église, parce que si on le fait pas, le travail de relevés architecturaux, il n'est pas complet. Il y a un travail incomplet. À la limite, il faut presque tout recommencer à zéro. Pendant ce temps, en bas. Hey. Hello. Is everything okay with your work? Yes. Yes. Une autre équipe est en charge de la façade sud. Yes. Les élèves sont supervisés par une historienne de l'art. Annelise Margot est membre du conseil scientifique de ce grand projet d'inventaire. On ne voit jamais de clochers construits sur les absides. Pour le moment, on ne trouve pas d'explication à ce choix. Ils ont rajouté une coupole pour qu'elle puisse supporter le poids de la tour. Il faut imaginer aussi que quand la cloche se met en mouvement, c'est périlleux pour la construction. C'est vraiment une énigme pour le moment, cette église. C'est passionnant. Et ce sera d'autant plus passionnant quand on aura les plans, les coupes, les relevés. Dans un mois, les futurs architectes livreront à l'association une projection complète de l'édifice. Le lendemain, C'est une première pour Annelise, l'historienne de l'art. Elle survole les villages du Brionnais pour le guide qu'elle est en train d'écrire sur l'art roman. Je connais très bien le Brionnais et j'ai vraiment l'impression de le redécouvrir pour la première fois. C'est un territoire qui est éloigné des grandes villes, des grands axes de communication et c'est sans doute ce qui a permis l'exceptionnelle conservation des églises romanes. On en dénombre quand même une cinquantaine sur seulement 800 km², ce qui est assez rare. Elle se dirige d'abord vers le joyau de cette succession de monuments, à Anzy-le-Duc. Notre-Dame de l'Assomption, l'ancienne dépendance d'un prieuré, a été construite avec un calcaire de la région qui lui donne des reflets dorés. Elle est connue pour son clocher octogonal remarquable. On voit bien sûr le clocher avec tous les jeux sur les arcs, des arcs qui se multiplient de tailles différentes, qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui rendent la tour extraordinairement aérienne, qui allège la masse de pierre. Quelques kilomètres plus loin, l'église Saint-Pierre-aux-Liens domine une colline de l'Arconce. Édifiée dans un grès très dur, elle a traversé les siècles sans dommage. Si elle est si grande, cette église, c'est certainement parce qu'elle accueillait, en plus des paroissiens, une petite communauté de moines. Et il ne fallait pas que dans l'église, les deux communautés, paroissiennes et les moines, se mélangent. Donc il fallait vraiment deux espaces pour chaque groupe. Et c'est ce qui peut expliquer les dimensions. L'histoire politique, elle est vraiment décisive aussi ici pour expliquer le nombre d'églises romanes qui sont conservées. Parce qu'en fait, il y avait deux familles de seigneurs, deux grandes familles de seigneurs, les Semur et les Leblanc. Et pour eux, finalement, construire des églises, c'était en même temps faire un acte de foi et puis dans le même temps faire un acte politique pour marquer leur emprise sur le territoire. Et puis, il faut bien imaginer que les artisans se déplacent, mais aussi que les seigneurs et les religieux qui commanditent les églises voyagent. Et donc, ils vont être ouverts, ils vont ouvrir le Brionnais à toutes ces influences venues des régions voisines, comme l'Auvergne, le Nivernais ou la Dombe dans l'Ain. Mais alors justement, on peut se demander pourquoi l'architecture gothique ne se soit pas vraiment épanouie en Brionnais. Peut-être parce que cette fièvre de bâtir qu'il y avait eu à l'époque romane, elle s'est éteinte en même temps que les deux familles de seigneurs. En bord de Loire, à Beaugy, l'église Saint-Pons est l'une des premières à avoir été bâtie par ces seigneurs du Brionnais à la fin du XIe siècle. Elle est vraiment très touchante et attachante, cette église, parce qu'elle est vraiment représentative des petites églises paroissiales telles qu'il devait y en avoir dans toutes les paroisses au Moyen-Âge, en Brionnais. Presque une église les pieds dans l'eau. Alors tu vois, son plan, il est très simple. Elle a une petite nef, une travée portant le clocher. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut bien imaginer que jusqu'au XVIIIe siècle, ce type d'église, c'était vraiment les églises que l'on avait partout. Et alors, au XIXe siècle, près de la moitié des églises romanes vont être détruites pour construire des églises plus grandes, tout simplement parce qu'il y a à ce moment-là une poussée démographique qui nécessite la construction d'édifices religieux plus vastes. Pour la fin du vol, Annelise veut admirer son site préféré. On va très vite d'un site à l'autre finalement, hein, par rapport à la voiture. C'est l'avantage de l'avion. Non mais du coup, on se rend compte aussi que tous ces villages, ces paroisses et ces seigneuries fonctionnaient vraiment ensemble. Le petit avion atteint ce mur en Brionnais. Alors, je suis très contente que tu m'amènes survoler cet endroit parce que je suis vraiment très attachée à ce mur parce que c'est là que j'ai commencé mes études. Enfin, c'est la première église que j'ai étudiée. Et puis, par ailleurs, c'est quand même la forteresse phare du Brionnais puisqu'elle abritait la puissante famille seigneuriale des Semur. C'est vraiment une place forte naturelle, un éperon. Et la famille a ajouté finalement les remparts, deux remparts, hein, un qui ceint l'église et le château, et puis un autre plus large qui englobait aussi le bourg castral, donc les habitations venues se blottir hein, au pied de la forteresse. C'est magnifique. Ce sont vraiment les deux richesses du Brionnais, hein, à la fois son architecture avec les châteaux, les églises et puis le bocage. Et c'est sur ces deux éléments que repose aujourd'hui la candidature du Brionnais auprès de l'UNESCO hein, pour la reconnaissance du caractère exceptionnel justement à la fois de ce patrimoine architectural et naturel. Au même moment, une camionnette sillonne les routes de la région. Pascal Clément est un chef cuisinier spécialisé dans la viande charolaise. Régulièrement, il se rend chez les éleveurs de cette race rustique, apparue au cœur de ce bocage au XVIIe siècle. Moi, je dis... la race charolaise, c'est la meilleure race à viande. Elle a du goût, elle a du gras, elle a de la saveur, elle a de la tendreté, elle a tout pour elle, quoi. Le charolais, c'est pas un steak haché qu'on trouve dans un fast-food. Le charolais, c'est un pot au feu, c'est un braisé, un bourguignon, c'est tout le temps dans le charolais. Pascal est né ici, en Brionnais, dans une famille de charcutiers. Mon grand-père, il a parcouru toutes ces petites routes à faire du commerce. Tous les étés, j'étais avec eux dans le camion-magasin. On allait livrer la viande dans les fermes du coin. On se baladait sans cesse dans ces villages, dans le cœur du Brionnais. Alors là, on va prendre la route buissonnière pour se rendre... dans une ferme où j'ai envie d'acheter une bête. On va aller la choisir sur pied parce que c'est intéressant de parler avec un éleveur ou parfois de savoir un peu comment elle a vécu, si elle a mangé, à quoi elle ressemble. Le chef a rendez-vous près du village de Saint-Racot avec un jeune agriculteur, Thibaut Desmurs, qui vient de convertir son élevage au bio. Salut Pascal. Ça va? Ça va et toi? Eh ben oui, bien. On va voir les vaches. On va voir les vaches. Bon, alors tu penses... tu me proposes quoi? Donc là, j'ai trois génisses. Ouais. Il y en a une qui est un petit peu supérieure. D'accord. Je pense que c'est ce qu'il te faudrait. Bah écoute, moi je te fais confiance. Hein. Les bêtes de Thibaut sont nourries 8 mois par an à l'herbe fraîche. La viande prend alors un goût persillé caractéristique de ce terroir. Le persillé de la viande, ça vient principalement de l'état d'engraissement, qui fait que dans l'entrecôte, on voit les petites veines de gras quand elle est crue. Et ça vient d'où? Et ça vient et de l'herbe, quand on a une bonne prairie d'embouche, et des céréales. Et c'est très important la cuisson, parce que ça, justement, ce gras, il fond. Et ça nous fait des jus qui sont sympas, quoi. Je veux dire, un petit coup de sel, un coup de poivre, et puis c'est tout, quoi. Il y a, avec l'entrecôte charolaise, il y a besoin de rien. Moi, je préfère venir ici parce que ça permet de causer avec l'éleveur. C'est important de voir comment la bête est dans son pré, quoi. Comment la bête vit, est-ce qu'elle est détendue, qu'est-ce qu'elle mange, est-ce que c'est un environnement qui la stresse. Après, ça permet aussi de parler aux clients, parce que de pouvoir leur dire, voilà, cette bête, elle a vécu sous un arbre, sous un... Sous un chêne, des acacias, un frêne, voilà quoi. On sent que le pré est humide, elle a pu boire, elle a pu... C'est très simple, mais les gens adorent quoi. Pascal Clément reprend la route. Il a une dizaine de kilomètres à parcourir pour rejoindre son restaurant dans l'un des plus beaux villages du Brionnais, La Clette. Ce grand bourg de 1400 habitants a été édifié au bord d'un étang. Le château du XIVe siècle, qui appartient à la même famille depuis plus de 400 ans, domine ce site naturel. 4 tours pointues, érigées au XVIIIe et adossées à l'édifice médiéval, donnent sa singularité au monument. Pascal accueille aujourd'hui des amis. Il va leur préparer un menu dégustation 100% charolais. Il commence par des brochettes avec un morceau rare aux fibres longues et au goût prononcé, la hampe. Il ne faut pas hésiter à goûter. Moi, je pense, voilà, on peut pas faire à manger sans goûter. Voilà. On ne se met jamais à table quand on cuisine, on est rarement assis, mais par contre, on a tout le temps quelque chose à manger ou à boire. C'est l'avantage de notre métier. Je vais faire des petits cubes pour faire un tartare couteau. Donc on met un peu de capre, on met un peu d'oignon, un peu de cornichon, de la persillade, un trait de cognac, les petits cubes de rhum steak. Généralement quand je fais des tartares, je salive. On va cuire nos petites brochettes. De sel, du beurre et du sel, voilà, juste saisi, voilà, les deux petites brochettes, un carpaccio et le tartare. Pascal sert d'abord Thibault, son ami éleveur. Alors là, vous retrouvez donc le bœuf de Thibault. Et là, on a travaillé donc en différentes façons, sur du carpaccio, sur du tartare et sur de la brochette pour la hampe. Voilà. Bon appétit à tous. On est bien à la campagne, on est bien au Charolais, non? La santé du Retour dans le Morvan, cette fois dans le nord du massif. Une famille s'est lancée dans une aventure hors norme. La renaissance d'un hameau quasi inhabité depuis près de 60 ans, sur la commune de Saint-Germain-des-Champs. C'est un moment important pour Sophie, professeure de lettres, et Antoine, son mari, restaurateur d'antiquités. Ils viennent de laisser Paris et leur travail pour emménager dans ce tout petit bourg, au nord du parc naturel régional. On quitte 48 mètres carrés pour un hameau. C'est fou. On a rempli un appartement, on a notre appartement dans le camion. Voilà, on a tout vidé. À la fois c'est l'inconnu, à la fois c'est de la chance. Voilà, là je crois qu'on va arriver bientôt. Oui. Il y a encore 3 virages et c'est chez nous. Notre nouvelle maison. Il y a quelques semaines, les Talbots ont acheté le hameau des Gâtis, bâti en lisière de forêt. Ça sent la forêt, ça sent bon. Voilà, voilà les Gâtis. Nos vaches, les Gâtis. Avec ces maisons en granit, édifiées dans un même alignement, le long d'un chemin rural, ce petit village est caractéristique du nord du Morvan. Jusque dans les années 60, il était habité par une vingtaine de familles d'agriculteurs et de forestiers. Abandonné, il a été patiemment restauré par un passionné qui vient de le revendre au Talbot. On s'en lasse pas. Hein. Bah, c'est toujours aussi beau quand on arrive. Pour ce projet de vie, le couple s'installe avec le frère d'Antoine et leur mère pour y travailler et créer des gîtes. Il y a de la maison de Paris. C'est pas grave. Wow, tu reconnais? Regarde, c'est la caisse de la cuisine. Moi, je vais la porter. Je crois qu'elle est montée. Peut-être qu'on arrive à deux. Voilà. Donc là, c'est notre maison. On a choisi cette maison parce que elle est. Elle, on peut l'agrandir avec la grange qui est à côté. Et il y a des travaux à faire, mais elle est sympa. Bon, il y a 3 maisons, mais 2 maisons habitables de suite. Dans la 3e, il y a beaucoup de travaux à faire, et puis c'est la maison qui sera consacrée à la chambre d'hôte, mais c'est pas encore fait. Peut-être que dans quelques jours, on va réaliser que c'est un changement de vie. Moi, j'ai passé 25 ans à Clermont-Ferrand, 15 ans à Paris. Donc là, je pense que dans quelques jours, on va réaliser qu'il y a une nouvelle page qui se tourne et que voilà, la Bourgogne commence. Ensemble, ils veulent redonner vie à cette ancienne métairie du XVIIIe siècle. Avec ses granges, son ancienne boulangerie et sa petite chapelle. Il est 18 h. L'emménagement est terminé. Pour leur première soirée, les anciens citadins s'installent sur la petite place centrale. Bon, bah écoute, ça va faire un peu de bien tout ça. On va bien là. Hop là. Oh, c'est pas trop chaud, hein, ça va. C'est pas l'ombre. Hein. Vous avez trouvé votre endroit, là, expliquez-moi. Ça va être la salle de réunion. C'est voilà, la croisée des chemins. C'est super pour boire un coup. Et peut-être pour manger. Et pour manger, oui. Je dirais que jusqu'ici tout va bien. Enfin, je veux dire que c'est pas trop compliqué d'être content d'être là, quoi. Ouais, on est bien là. Mais c'est presque trop bien. Voilà, on se dit, mais il est où le loup? Ça me change de mon périphérique, c'est sûr. Ouais. Bon, bah, santé. Bon, bah, à la nôtre, hein. Ah oui. Premier apéro. Martinus. C'est important que ce soit un projet familial parce que faire ce grand pas tout seul, c'est peut-être plus difficile. Là, on se serre les coudes, c'est plus facile, je pense. Martin travaillait dans le bâtiment. C'est lui qui va moderniser les bâtisses et gérer l'accueil des clients qui loueront les gîtes. cette grande succession de maisons et de bâtisses. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut recevoir du monde, des séminaires pour des entreprises, des fêtes de famille, des chambres d'hôtes, pour que les gens puissent profiter du site. Là, on peut voir une serre. Il y a déjà deux, trois petites choses qui poussent dedans. Mais il faut l'entretien, et puis il faut l'expérience et apprendre, quoi. Parce que là, pour un Parisien comme moi, à part arroser de l'herbe, c'est tout ce que j'ai fait. Hein. Martin va suivre également une formation pour apprendre à préparer ses fruits et légumes. Alors ça me tient un peu à cœur. Je vais essayer de faire de l'agriculture. Il y a un peu de salade, il y a un peu de mâche, des haricots, des fraisiers, un figuier, du cumin. Il régalera ses futurs hôtes avec les produits bio cultivés dans la serre et dans les champs autour du hameau. Mais le plus gros chantier à venir sera la rénovation de ces trois maisons situées à l'entrée du village. Alors, voilà les maisons. Alors là, c'est sûr que dans l'état actuel, moi, ce que je veux, c'est tout casser, faire une grande pièce de réception. Il y a des cheminées à casser, des murs à virer, refaire de la plomberie, faire du chauffage. On voudrait vraiment agrandir l'ensemble pour pouvoir profiter de toute cette superficie. Donc là, c'est des endroits qui sont un peu exigus à l'étage, et c'est là que je veux faire les chambres. Il faut se projeter un petit peu, mais rénover tout ça. Mais il y a de l'espace, il y a du potentiel, et c'est tout à retransformer. Combien de chambres vous voudriez faire ici? Entre 4 et 5 chambres, avec les commodités dedans, quoi, les sanitaires et des douches, quoi. Martin a un rêve, rallumer le four à bois de la boulangerie du hameau. Il me tient à cœur de la faire un peu revivre, et utiliser ce four à pain pour faire son propre pain, ça serait super, quoi. On peut faire des pizzas, on peut faire des plats qu'on mijotait dans le four à pain. Enfin, c'est ce genre de choses qu'il faut réussir à refaire vivre, quoi. Il y en a pour deux bonnes années de boulot, peut-être un petit peu. On pourra recevoir un peu avant, mais le gros du chantier, il y en a pour 2 ans. Bonjour Martin. Un peu plus tard, l'ancien propriétaire leur rend une dernière visite. 2 ou 3 jours, hein, histoire d'être sûr que vous n'allez pas faire de bêtises. Comment s'est passée la première nuit? Agréable. Ouais. Alors, si on a entendu chouette au hibou, je ne sais pas reconnaître les voix. Qu'est-ce que ce sera quand il y aura les sangliers? On les entend. Ah ben, ils viennent sous les fenêtres. Non. Oui. Ah oui, bon, pas dangereux donc. Puis vous allez trouver des lièvres, des chevreuils, des hérons, enfin tout ce que la campagne peut apporter de positif. Ouais. Je ne suis pas venu ici depuis déjà une semaine et... Oui. Et je m'aperçois que vous vous laissez prendre par la végétation. Là. Non. Ah. Alors, un petit peu beaucoup. Là. Ben, vous allez... Ici, la consigne, c'est chaque jour, hein, passer 1 heure à débroussailler ou couper l'herbe. Ouais. Une débroussailleuse, ça suffit pour... Non. Qu'est-ce qu'il faut? Non. En plus, si vous avez des projets d'extension, il vous faut le tracteur minimum 60 chevaux. Quand même? D'accord. On va s'équiper, on va acheter du matériel pour en désherber, couper, tout ça, quoi. On va s'en occuper, ça va être une nouvelle activité. Puis c'est au tour du maire du village, dont dépendent les gâtis, de venir saluer les nouveaux arrivants. Bonjour madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue. Alors, ben oui, je suis venu pour vous dire tout le plaisir que j'ai à vous accueillir ici, au Gâté. Plaisir parce que D'abord pour une commune comme la nôtre, qui connaît une décroissance continue en nombre d'habitants, recevoir 5 adultes plus un enfant d'un seul coup, c'est un cadeau royal. La famille en profite pour faire une demande spéciale à monsieur le maire. J'avais une petite question à vous poser. Est-ce que il est possible de mettre des panneaux, un panneau ou deux panneaux à l'entrée et à la fin des gâtis? Des panneaux municipaux, de lieux-dits, ou des choses comme ça. Tout est possible, mais... Est-ce que c'est envisageable? C'est envisageable. Mais vous souhaitez quoi avec ces panneaux? Bah, juste, c'est un peu pour refaire la renaissance un peu de ce lieu-dit, de ce village. Et pour les marcheurs, bah, ils savent qu'ils arrivent au gâtis, dans un lieu-dit. Bon, alors le panneau, ça pourra tout à fait être considéré comme un cadeau de bienvenue. Ah, super. Ouais. Très bien. Alors ça, c'est secret, ça vous le dites à personne. Oh. Nous retrouverons les Talbots au début de l'hiver, après quelques mois de leur nouvelle vie, pour la livraison des panneaux indicateurs. Au nord de la Bourgogne, dans l'Auxerrois, une autre passionnée est en train de redonner vie à son village, à Collet. Sans commerce depuis 2003, à part une boulangerie, ce bourg tranquille de 380 habitants vient de vivre un petit événement. Au printemps 2017, cette maisonnette est devenue un îlot de vie et de rencontres au cœur du centre historique. Aurore Ladurel, une ancienne infirmière, a décidé d'y installer un café-épicerie. Salut Michel. Bonjour Aurore. Tu vas bien Aurore? Oui, ça va. Salut. Ça c'est pour Michel et ça c'est pour Annie parce qu'elle prend pas de sucre. D'accord. Tu connais les habitudes de tout le monde? Je connais les habitudes de tout le monde. Je suis pas venu là pour acheter le fruit. 3 mois après l'ouverture, le lieu est déjà plein d'habitués. Quand je me suis installée ici, j'ai vu que en fait, le village était démuni de tout commerce. Du coup, je me suis dit, bah, je ferai une épicerie, pourquoi pas un bar, un café, enfin voilà. Avec justement plein de services, comme le pain, les journaux, toutes ces petites choses qui peuvent apporter de la vie à un village. Ah oui, moi je fais de l'autre côté. Daniel, tu veux un grand comme ça? Oui, impeccable. Il m'a fallu des fonds pour lancer ce projet, donc j'ai fait un financement participatif. J'ai proposé mon projet sur un site pour que les gens m'aident financièrement. Donc il y a plein de gens du village qui ont donné, même plusieurs fois, et on a pu le faire grâce à ça. Et je pense que c'est ce qui a fonctionné, c'est que les gens ont été réceptifs de cette volonté de vouloir refaire vivre un village qui était en perdition. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui, ça va, ça va. Élodie, venue d'abord en voisine, est aujourd'hui l'une des plus fidèles clientes. Est-ce que je peux t'aider? J'ai besoin de quelque chose. C'est très pratique. Honnêtement, ça dépanne bien. Quand on a juste besoin d'un petit paquet de jambon, c'est dommage de prendre la route et puis de dépenser de l'essence pour si peu, quoi. Puis ça redonne vie, hein. On peut venir même rien que boire un petit café, parler à d'autres personnes. Ça fait vraiment un endroit de rencontre. Une baguette. Tiens, Jojo. 95 centimes, s'il te plaît. Entre le café et les petites courses, l'épicerie est animée toute la journée. Je pense que ça peut redonner vie au village. Ça permet de se retrouver... Alors qu'avant, ben, c'était chacun chez soi, voilà. Donc on se réunit ici maintenant. Voilà. Des fois on est un peu à l'étroit, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais enfin, c'est sympa. Je trouve ça, la convivialité, C'est ce qui manquait. On m'a dit cache-toi derrière. J'ai vu le café debout derrière. Il est 13h, Aurore ferme sa boutique pour la pause déjeuner. Mais le travail continue, elle livre les clients qui ne peuvent pas se déplacer. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, et vous? Bien, ça va, alors, merci. Voilà. Je vous apporte votre commande. Oui, d'accord, merci. Donc, oui. J'ai votre là, petit oui. pot, votre bouteille. Oui. Oui, le Porto. Je vous ai amené le cake. Oh ben c'est magnifique, c'est merveilleux. Il n'y a qu'une chose, c'est que malheureusement, il n'y a plus rien. Pour une fois qu'on a quelque chose, je dis à tout le monde, il faut y aller. Parce que moi, à 92 ans, c'est merveilleux ça, il n'y a plus rien ici. Donc vous êtes obligé de vous faire quoi? Mais les grandes surfaces, et encore, quand on m'y emmène, hein, je ne peux pas y aller toute seule. J'étais contente quand j'ai su qu'elle livrait en même temps. Ah, oh, je t'ai dit, alors ça, c'est bien. C'est merveilleux, ça. C'est vrai. Je vous dis à bientôt, madame. Oui, bon, d'accord, moi, merci. Et puis, bah, à la prochaine. Merci. Bah, je vous en prie. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. À cette heure-ci, les rues sont désertes. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Jusqu'au début des années 70, Accolay vivait au rythme de la Nationale 6, qui passe à la sortie du village, et des départs en vacances. À la grande époque, dans les années 50 et 60, des milliers d'automobilistes traversaient chaque jour la Bourgogne pour rejoindre la Côte d'Azur. Sur leur chemin, les artisans du village leur vendaient des poteries. Accolay devint même l'une des capitales de la céramique en Europe. Une trentaine de potiers proposaient leur création dans d'immenses magasins installés sur le bord de la Nationale. Quand j'étais petite, en fait, je venais dans le coin avec mes parents pour me balader. La Nationale, en fait, apportait beaucoup de vacanciers. Donc beaucoup de passages, beaucoup de touristes. Tous les gens qui partaient en vacances par cette Nationale, en fait, s'arrêtaient dans le village pour faire leurs courses, pour boire un café, pour faire une pause, pour se reposer et acheter des souvenirs sur la route des vacances. C'est en 1953 que la construction de l'autoroute A6 commence pour relier Paris et Lyon plus rapidement. Son inauguration en 1970 est une catastrophe pour les villages de Bourgogne qui, comme Accolay, profitaient du passage des automobilistes. Monsieur Chéret, est-ce que l'ouverture de l'autoroute vous a fait perdre beaucoup de clients? Oh oui, beaucoup. Entre 50 à 60% de la clientèle, hein. Pas de problème. Hein. De très sérieux problèmes. C'est-à-dire une perte de clientèle? Ça se traduit environ par 70 à 80% de perte. Madame, est-ce que l'autoroute vous a fait perdre beaucoup de clients? Oui, beaucoup. Mais pourtant, vous avez quand même, je crois, une clientèle faite de chauffeurs routiers. Ils s'arrêtent chez vous encore? Assez, mais enfin, on en a perdu quand même. Quel pourcentage à peu près? 20%. Aujourd'hui, la Nationale 6 a été déclassée en route départementale. Aurore Ladurel l'emprunte régulièrement à la recherche de produits de la région. Les gens sont en attente de produits régionaux, de produits locaux, de produits du terroir, de produits faits maison. Et du coup, j'ai décidé de leur faire découvrir les produits du coin et fabriquer là directement chez le producteur. Moi, je ne suis pas de la région, donc du coup, ça me fait découvrir les producteurs, ça me fait découvrir les villages, les gens. J'ai été surprise parce que c'est une région qui est très riche. Par exemple, les fromages de vache, les fromages de chèvre, la charcuterie, les chocolats, la confiture, le miel, le poisson. Et je ne pensais pas trouver autant de producteurs différents sur une aussi petite surface, en fait. L'épicière arrive dans le village de Pré-Gilbert. Elle vient rencontrer un producteur avec qui elle souhaite travailler. Guillaume Baudry a repris une ancienne ferme aquacole et relancé l'élevage de truites locales en bio. Qu'est-ce que c'est comme truite? Alors ça, regarde, ce sont des truites fario. C'est l'espèce de truite qu'on trouve naturellement dans nos cours d'eau français. Tu vois, elle a une robe sombre, oui, avec des points rouges. C'est incroyable. Voilà, donc ça, tu vois, c'est une taille qui est presque commercialisable. C'est un poisson qui a 2 ans, donc elle a pris le temps de grandir. Je m'attendais à voir des escargots en arrivant en Bourgogne. J'ai été surpris lorsqu'on m'a conseillé de venir sur cette pisciculture qui était à vendre, parce qu'elle regroupait toutes les qualités dont j'avais besoin pour élever un poisson de qualité. À savoir une eau de très bonne qualité, avec un débit suffisant, une température idéale. Je pense pas que ce soit un produit bourguignon à proprement parler, mais les gens commencent à savoir qu'en Bourgogne, dans la région, dans l'Yonne plus précisément, on a une pisciculture qui est bio, qui fait des produits de qualité. Aurore cherche en priorité des produits introuvables dans les supermarchés de la région. Chacun ses habitudes de vie, on oublie que tous ces gens existent autour de nous et du coup, bah, il faut les refaire connaître. C'est un aspect sympa du métier de venir directement chez le producteur pour découvrir avec lui en fait comment il fonctionne, pour nous proposer ses produits en fait. C'est une richesse d'avoir ça juste à côté. L'épicière choisit de la truite fumée et des rillettes de poisson. Super. Et voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Bon courage. Merci. Bonne journée. Merci, salut. Au revoir. Le lendemain, la jeune femme organise une fête à Accolay. La première depuis plus de 10 ans. C'est une petite révolution. Le centre du bourg va être réservé aux piétons. Aurore a eu l'accord de la mairie pour une dégustation de produits du terroir. Je pense que les gens attendaient ça, qu'il y a un événement particulier, que les gens se donnent les moyens d'essayer de faire quelque chose pour le village et surtout le faire en fonction d'eux. Pour eux, c'est un événement important et attendu surtout, parce qu'il va y avoir que des dégustations de produits locaux. Marco, il est là, un petit peu plus là, s'il te plaît. Ah, c'est bien. C'est parfait. Bon. Ouais. C'est le matériel que la mairie me prête. La mairie m'a prêté 8 tables. Charlotte a 17 ans. Elle n'a jamais vu de festivités dans les rues d'Accolay. Bah, ça fait du mouvement dans le village et ça fait un peu, ça met de la joie au village un petit peu quand même. Puis on rencontre les gens, on parle avec plein de gens. Donc c'est ça qui est bien. J'espère qu'il y a plein de monde, mais je pense que ça se fera parce que c'est rare les choses comme ça. J'espère qu'il y a beaucoup de monde. Pas tout le village parce que ça sera peut-être prétentieux. Mais oui, au moins une centaine de personnes quand même, voire plus. J'ai mis aussi des affiches dans les autres villages, donc je pense que les gens vont venir aussi par curiosité, je pense. Et voilà. Il est 11h30, les premiers villageois arrivent. Une salée, une sucrée, tu veux? Non, une salée, deux salées. Aurore enchaîne les ventes d'assiettes découvertes. Voilà, madame. C'est beau. Donc tout ça, c'est producteurs locaux. Alors voilà. Ça vient de la pisciculture, c'est de la truite. Ça, c'est de la faisselle qui vient de la ferme. Également, ouais, avec la tome et le fromage frais, tu dois avoir paprika. Ouais. Ça, c'est du pâté du terroir. Ça vient de la boucherie de Chablis. Ouais. Monsieur Colin qui fait lui-même son andouillette maison, avec son saucisson ail. Et ça vient de la pisciculture, c'est la truite fumée. Super. Bah, j'habite pas loin, donc je trouve que c'est super ce qu'elle fait. C'est magnifique. Il faut l'encourager parce que franchement, c'est beau, c'est important. C'est ce qu'il faut dans un village. Voilà. Une salée, une sucrée, tu veux ? L'épicière a réussi son pari. Ils sont plus d'une centaine à être venus déguster les produits de la région dans la petite ruelle. On a l'impression qu'on ne fait rien pour les villages. Donc quand des nouveaux commerces ouvrent, ben justement, c'est une très bonne chose. Il faut que chacun joue le jeu. C'est un service à la population. Et les services à la population dans les petits villages, ça a tendance plutôt à, à diminuer ouais. Voire disparaître. C'est courageux et il faut que tout le monde aille dans son sens et la suive et la fasse travailler. Dans le Morvan, la campagne a pris des couleurs automnales. Au hameau des Gâtis, racheté il y a 4 mois, les Talbots commencent à prendre leur marque et se préparent pour l'hiver qui approche. Antoine et Martin, les 2 frères, ont décidé de dégager le panorama sur la vallée environnante. Ils souhaitent rendre le village plus accueillant pour les futurs clients de leur maison d'hôte. On a décidé d'améliorer le jardin et donc on va abattre cet arbre qui ne nous plaît pas trop. Qui ne nous plaît pas trop parce que derrière on a des chênes qui sont magnifiques. Et le Morvan c'est quand même une terre de chênes. Travaux, entretien des terrains, les 2 hommes veulent tout faire eux-mêmes. On a pris un petit cours de formation bûcheronnage, parce que c'est dangereux, qu'on ne veut pas faire n'importe quoi. Donc là, on va essayer de le faire tomber bien là, paf. Ouais, moi tu vois, milieu. Ah, faut prendre du recul. De toute façon, on n'a pas, y a pas de, là on prend pas de risque. Hein. Bon bah c'est pas exactement ce qu'on voulait faire, mais... Ouais. On s'est gouré de 15 mètres. Non, c'est pas gouré de 15 mètres, mais on le voulait plus à droite, quoi. Ouais, honnêtement, on s'est gouré de 2 mètres, hein, même pas. Hein. Nos parents nous ont pas appris à couper des arbres quand on avait 10 ans, quoi. Hein. Martine, leur mère, vient admirer le résultat. Quand je dis c'est pas mal, c'est trop bien. C'est vrai qu'on les voyait pas, ces arbres. Hein. Ils n'existaient pas. Ouais. C'est quand même des beaux chênes, ça. Voilà, on a des chênes qui sont quand même magnifiques. Le sapin, il était devant, quoi. Pas, le paysage, il change tout de suite. Bah, c'est chez nous. S'approprier le territoire. Antoine a installé son atelier de ferronnerie d'art dans l'une des granges. Ce matin, il termine la fabrication d'une pelle à pizza. Au début, je me disais que la grange était presque trop grande parce que je faisais beaucoup de pas dans la grange. Et puis finalement, je me rends compte que non, je peux au contraire avoir un travail là. Les plans de travail sur le pourtour sont quand même beaucoup plus dégagés que ce que je pouvais avoir à Paris. J'avais mes outils qui étaient un peu tous les uns sur les autres. Bon. L'outil va servir à réaliser un test grandeur nature. Cuire du pain et des pizzas pour leurs futurs clients. L'ancienne boulangerie va reprendre vie. Là, ça va être une grande première. On va tenter l'expérience. Puis on va voir ce que ça va donner. Mais je suis assez confiant, on va essayer. C'est un peu du rêve, quoi, mais... On n'est plus trop dans le rêve, hein. À chaque fois on dit on rêve, mais là, il y a plein de choses qui se concrétisent. Et c'est des petits édifices à chaque fois qu'on fait, et c'est de l'acquis, quoi. C'est sympa. Ouais, c'est des gestes qu'on réapprend, en fait. Il faut arriver à gérer son feu, après à conserver une chaleur dans le four. Moi j'adore, donc c'est des sensations que je peux retrouver dans... Quand je fais de la soudure, donc les métaux en fusion, la puissance du feu, c'est quelque chose de fascinant. Je me retrouve ici chez moi, en quelque sorte. Je suis attaché aux éléments, je suis attaché à la nature, donc c'est quelque chose de plus familier pour moi. C'est la première fois que Martin élabore une pâte au levain. Là, j'ai fait simple, je suis allé au supermarché, j'ai pris de la farine bio, semi-complète. J'ai acheté du levain naturel déshydraté. Pour un peu booster la levure, il fallait rajouter un petit peu de sucre. Je fais un peu bah, comme dans des vidéos que j'ai vues. Je vais essayer d'agir la chose. Je sais qu'il faut la travailler très longtemps. Ça prend pas trop mal hein, quand même. J'ai l'impression que je retourne à l'école primaire où je faisais de la pâte à sel. Ça reste des choses simples et un petit peu essentielles, c'est sympa quoi. Ah, c'est un métier, hein. Ouais. Fais avec les poings à l'intérieur. Tu sais, quand tu passes comme ça là. Voilà. Eh ben, elle sera très bien. On a un peu de sauce tomate. Le basilic, ce sera pour la fin, de toute façon. Ouais, ouais. Non, non, mais toi par là que je vois. Hop là. Hop là. Bon, bah, il y en a une de prête, là, les gars. Hop là. Livraison de pizza express. Allez, Clara. À la pizza? Livraison de pizza. Ah. Pour goûter la première production des gâtis, les deux frères ont convié des amis. C'est beau? C'est beau ou c'est pas beau? Ah, c'est magnifique. La pizza. C'est la plus ronde celle-là. Hein. Ouais. Allez, je coupe une deuxième. Allez, les chefs, servez-vous. Ouais, la grosse. Ça, c'est un test parce que c'est convivial et on voit ce que ça peut donner à une autre échelle. C'est super. C'est un moment de partage et ça fait revivre ce four à pain. C'est super. Là, c'est une première. C'était un peu périlleux, faire le feu, tout ça. Mais après, il y a une petite étape de rodage et après, ça peut vite partir. Quoi. Ah ouais, là, c'est succès assuré, même. Le cadre est magnifique, le Morvan, enfin voilà, les mélanges de prairies, forêts, les animaux à côté. Pour venir avec les enfants, c'est parfait. T'as vu? D'investir là-dedans, après c'est peut-être un peu, il y a une petite part de folie. Si on arrive à commercialiser tout ça, d'autres personnes qui viennent et qui se plaisent, bah, c'est tout gagné. Ouais. Le lendemain, le maire est attendu au hameau pour un moment symbolique. Bonjour. 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 La pose du panneau d'indication, promis il y a 4 mois. Oui, enfin, super. Ça, demandé, hein. Ouais, c'est super. Ouais, une grosse étiquette blanche quand même. Ouais. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Allez. Ensemble, ils remontent le chemin rural jusqu'à l'entrée du petit village. Ah ouais, on n'est pas tout seul. Ouais. Non, c'est sûr. C'est tout un symbole. Cela faisait 60 ans que les gâtis n'étaient plus signalés. C'est bien, ouais, très bien. C'était un mot qui avait un potentiel, mais qui n'exprimait pas son potentiel. Et là, maintenant, on est parti, je crois, pour, avec vos projets, pour exprimer un potentiel, un avenir qui peut être intéressant pour l'ensemble de la région. Hein, donc moi, je mets beaucoup d'espérance et je souhaite que tout ce que vous portez se réalise au mieux, le plus rapidement possible. Ça a l'air de vous mettre en joie. Ben ouais. Oui, c'est sympa. Il y a encore plus beau planté. Mais oui. Oui. Ah ben oui, il prend sa dimension. Je pensais pas que je ressentirais quelque chose en le voyant. Et en fait, en le voyant, avec les maisons derrière, c'est assez émouvant. Bah, ça pose le truc, quoi. Ça existe. Ça existe plus. Bon, moi, je suis content. Hein. Oh, ça me va, ça me plaît. Il va te mettre là. Regarde, t'as une photo. T'as vu ? Voilà, c'est fait. Impeccable. Ouais. C'est dans la boîte. Les gâteux. Les gâtis. Attends. Oh, c'est vrai.